fil de pêche ou on peut mettre une aiguille. Puis le truc aussi pour pas qu'il bouge, c'est de la remettre toujours. Mais ça, c'est un meilleur truc que l'aiguille, parce que j'ai eu la semaine passée du monde qui disait on met une aiguille, puis ça a complètement rouillé dans le, dans le pot. Ça peut rouiller, hein? Oui. Le fil, comme ça, c'est mieux. Moyen. Faut que ce soit quand même assez épais, parce qu'il faut que ça fasse des bulles. Un peu plus sur la branche, là. Un verre abandonné! Il y a quelque chose qui traîne, hein? Tout le monde est trop enthousiaste. Ils oublient leurs affaires partout. Le mari, c'est mes nouveaux doigts. Je suis vraiment avec lui, là, encore un peu. Ça pétille. Ah oui, oui. Il faut que ça pétille, ça a l'air. C'est ça qu'il faut que ça fasse. Ah non! Excusez. Ouais, mais c'est ça, ça vient faire comme branche. C'est-tu assez? Je pense bien. C'est-tu correct, ça? C'est correct, comment ça? Ça pue, ça. Bien, ce qu'elle fait, ça a des grosses poches. Oui, dans ce temps-là, ce qu'on fait, on tapote un petit peu légèrement avec nos doigts dessus. OK. Gesso Joe Sanja. Ça fait quoi au juste? Celui-là, le studio. En fait, ce que ça va faire, ça va créer une texture plus mate sur l'arbre pour imiter la texture d'un vrai arbre. OK. Parce que là, c'est illustré. OK. Puis on met ça comme ça? Oui. On met ça avec des doigts? Avec un pinceau. OK. Comme ça. Épais, pas épais? Oui. Épais, pas épais? Les deux, c'est la même chose. OK. Non, moins épais que ça. Parce que sinon, vous allez boucher les branches. Il faut vraiment ensemble. Comme peinturer quand on... C'est ça. OK. Mais comme ça, c'est trop mince. On va mettre un petit peu plus. C'est le genre de choses pour l'avoir fait une fois. C'est vraiment spécial. C'est super, ça. C'est bon. Moi, je vais comme ça en tapotant. Et pour rentrer vraiment dans les fils. C'est ça. Vas-y, je suis content. C'est pas de peinturer, là. Oui, c'est beau. Tout est bouché. Celui-là est un peu bouché, il a peut-être passé votre pince là, pour essayer de le défaire. Oui, il y en a sur le bord. Oui, tout à fait. C'est la colle qui a fait ça. Oui, c'est la glacie qui a fait ça. C'est le farine. Parce qu'il est très dans le sort. Oui, oui. Je t'en prends un peu. Oui. Ok, vous allez prendre l'éponge à l'air. Qu'elle nous veut laisser pour qu'elle puisse être utile. Ah, mais je peux vous en donner une neuve. On va aller dans le mieux. Celle-là, elle reste toute avec le chien. J'ai pas les miennes. Merci. Je vais prendre l'encre à la colle caramel. Est-ce que c'est correct comme ça? Je peux avoir une couche foncée. On va en mettre deux couleurs. Ça, c'est la caramel. Ensuite, on va ajouter express. En fait, on met les deux ensemble pour changer la teinte. Il faut enlever tout le blanc, tu imagines? Oui. C'est possible, ça peut goûter. C'est vraiment beau. Oui, ça. Ça fait presque doré, on dirait. Une cuivrée, en tout cas. Oui. Ça colle aussi, c'est normal. J'en mettrais plus. Ah oui? Encore plus? Oui, parce qu'il faut vraiment cacher les petites crevasses qui sont tout blanches. Tout ce qui est blanc, qui en manquait. Oui.
Ici, c'est juste nous. Si vous êtes bonnes femmes, allez pas peur. C'est comme ça que vous allez réussir à remplir les crevasses. C'est beaucoup plus beau, hein? Je peux voir dans la chambre. Tout, pas juste en haut, c'est partout. Partout. Ça aussi. OK. Pourquoi qu'on mette l'autre avant, c'est pas tout de suite celui-là? C'est pour changer la teinte de la couleur expresso. Ah, bon. Pour avoir une teinte un peu plus foncée. Orange. Ah, OK. La première couche, le gesso. Le premier, ah, la question, c'était du gesso à la grandeur.